Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Accident d'avion à 40, un petit avion plonge sur une double voie au Pays de Galles. Des témoins ont rapporté avoir vu un avion s'écraser sur la route près d'Abergavenny au Pays de Galles. Des témoins ont rapporté qu'un petit avion s'est écrasé sur une chaussée d'Uel au Pays de Galles. Selon des automobilistes sur la route, l'avion s'est écrasé sur la A40 près d'Abergavenny peu après 11h ce matin. JOPAC voyageait le long de la chaussée quand les voitures ont commencé à ralentir. Nous venons de voir toutes les voitures s'immobiliser, puis la fumée et deux ou trois mini-explosions, a-t-elle déclaré. Nous étions en train de regarder un planeur survoler, ce devait être juste avant que cela se produise. L'avant de l'appareil paraissait noir et sous un angle impair. Nous nous sommes demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dan Tightley a ajouté, cela doit être l'avion que j'ai entendu revenir plus tôt. Le moteur ne sonnait pas très bien. Elle avait dit que son partenaire était sur les lieux et que l'avion était toujours en feu. Elle a ajouté sur Facebook, il a dit qu'il se tenait à côté de la personne qui les a tout fait sortir. Ils sont en sécurité et le gars est un héros. Mais l'avion est toujours en train de brûler et la route est fermée. Les passagers seraient en ordre. Trois voitures de pompiers se sont précipitées sur les lieux, selon des témoins sur la route. Par les voitures étaient en train de se retourner et la fumée avait cessé de gicler dans le ciel. La police de Gwent n'a pu être contactée pour confirmer les détails de l'accident, bien que la police ait tweeté qu'il était en présence d'un incident sur la route. Les services d'urgence traitent d'un incident policier sur l'autoroute A40 entre Raglan et Abergavenny, ont-ils écrit. Votre voyage.